Cette semaine marque le retour de Michel Drucker à la télévision pour une toute nouvelle édition de Vivement Dimanche. Pour l'occasion, l'animateur a donné une interview avec sa compagne Dani Saval au magazine Gala. Interview au cours de laquelle il revient sur son état de santé après son opération du cœur. En septembre 2020, l'inquiétude a été forte pour les téléspectateurs de Vivement Dimanche, qui ont vu Michel Drucker être obligé de quitter les antennes de France Télévisions. La raison ? L'animateur culte a dû subir une lourde opération du cœur, afin de lui déboucher les artères coronaires. En début d'année 2023, Michel Drucker a malheureusement dû une nouvelle fois prendre une pause forcée, afin de repasser sur la table d'opération, une nouvelle fois pour ses problèmes de cœur. Des multiples opérations dont des effets secondaires potentiels inquiètent fortement le journaliste comme il l'a confié au micro de RTL, « Ma grande angoisse, c'était d'avoir un déficit sur le plan neurologique compte tenu des heures d'anesthésie que j'ai eues en 2 ans et demi. » Ce dimanche 27 août, après des mois d'absence, Michel Drucker fera son grand retour à la tête de Vivement Dimanche. C'est mardi 22 août dernier que l'animateur a retrouvé son canapé rouge, afin d'enregistrer cette première émission de la rentrée. Un enregistrement qui selon lui s'est très bien passé. À l'occasion du retour sur les antennes du présentateur, ce dernier a donné une interview à nos confrères de Gala. Un entretien fait avec sa femme Dani Saval, et au cours duquel il revient sur son opération et le fait qu'il aurait pu mourir. J'ai cru que j'étais cuit dans leur interview pour Gala, Michel Drucker et Dani Saval reviennent tous deux sur l'opération du cœur qu'a subi l'animateur en mars dernier. L'occasion pour la mère de Stéphanie Jarre de révéler que sa fille, ainsi que les médecins ont fait exprès de lui cacher l'état de santé déclinant de son époux, qui avait perdu 10 kilos et refusait de s'alimenter. Un état de santé, qui a fortement inquiété le journaliste qui déclare « Moi, honnêtement, j'ai cru que j'étais cuit ». Michel Drucker revient aussi sur sa difficulté à se remettre de son opération, mais aussi sur la première fois où il s'est revu dans le miroir, « J'ai mis un mois à pouvoir m'asseoir dans un fauteuil, et 2 mois à aller sous la douche. Quand j'ai pu y aller seul, j'ai enfin osé essuyer la buée sur la glace et je n'ai pas reconnu l'homme que je voyais, j'étais devenu un fantôme », raconte-t-il. Une situation difficile pour Michel Drucker, qui s'est depuis remis de son opération, mais remercie malgré tout sa femme et sa fille, sans qui il n'aurait pas réussi à surmonter son état, sans Dani, sans Stéphanie, qui a su gentiment me bousculer pour que je remange, je ne m'en serais jamais sortie.